What's up la famille, c'est Vari TV, on se capte encore pour une nouvelle vidéo les frères, on se capte pour une nouvelle vidéo comme d'hab. Le thème d'aujourd'hui ça a été très simple, comme vous le savez, il y a beaucoup de femmes, elles n'aiment pas partager une deuxième femme dans le foyer. Ils n'aiment pas que leur mari se marie avec une deuxième femme. Donc du coup je suis allé les demander si elles sont pour ou contre la polygamie. Du coup j'ai pas trop parlé, vous verrez dans la vidéo, allez voir. Lâchez-vous sur les commentaires, likez, partagez, surtout maximum de pouces pour les effets sur cette vidéo, maximum de pouces bleus les frères. Car ça a été une taf de ouf, j'ai beaucoup taffé pour avoir cette vidéo, pour avoir la vie des filles dans la rue. Ça a été une galère, bon, du coup, n'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, tout ça c'est gratuit, je vous répète, c'est gratuit les frères, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc si tu veux vraiment voir plus de vidéos, pour que je vais avoir le courage de faire plus de vidéos pour vous les abonnés, likez sur mes vidéos, partagez, abonnez-vous, maximum de pouces bleus. Et surtout dites-moi dans les commentaires, vous, les filles, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez bien que votre mari prenne une deuxième femme. Si c'est le cas, lâchez-vous sur les commentaires et dites-moi, les mecs, dites-moi aussi si vous aimeriez bien vous marier avec trois ou quatre ou cinq mecs ou cinq femmes. Donc, n'hésitez pas à lâcher aussi dans les commentaires. Et si vous voulez avoir des dédicaces, lâchez-vous sur les commentaires. Je ferai des dédicaces pour vous. Aujourd'hui, je vais faire une dédicace à Malien Boy. Malien Boy, le mec qui était avec moi dans la dernière vidéo où j'ai dit, peut-il sortir avec un mec blédard? J'ai fait dédicace à Malien Boy. Si vous voulez vraiment avoir des dédicaces, lâchez-vous sur les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Dès là, je vous laisse aller voir. Suivez-moi encore sur Instagram, YouTube, Instagram, Snapchat, tout ça. Allez me suivre là-bas. Je mettrai la description juste à côté. Likez, maximum d'abonnés. Je vais les 5 000 K d'ici la fin d'année, les frères. Donnez-moi la force. Dès là, bonne visionnage. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Alice. Ah bon, c'est Barry TV en santé. La question c'est simple, t'es pour ou contre la polygamie? La polygamie? Ouais. Avoir plusieurs femmes? Ouais. Est-ce que ton mari ou ton mec va avoir plusieurs bah, femmes? Non. Pourquoi? Bah parce que mon mec il va pas avoir deux meufs. Ouais, s'il est marié, s'il est marié, il veut te marier par exemple. Il veut une autre deuxième femme aussi. Bah non, c'est mort. Pourquoi? Bah parce que déjà je suis trop jalouse, mais même ça se fait pas. Ça se fait pas? Bah non. T'aimes pas une deuxième, t'aimes pas avoir une deuxième femme à la maison? Pas du tout. Tu sais, il y a d'autres femmes, elles sont sympas une fois vous êtes bah non, deux je à m'en la fous. maison. Non. Ok, bah c'est ça la question. Merci beaucoup à toi, bonne journée. Bien, merci vous aussi. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Meysan Angelica. Enchanté, moi c'est Barry TV. Alors la question d'aujourd'hui c'est simple, vous êtes pour ou contre la polygamie? Non, contre. Contre. Je vais rigoler. Non mais elle est contre. Mais oui, contre. Contre, oui. Et pourquoi contre? Bah parce que c'est pas bien. Enfin, tu peux pas avoir plusieurs meufs en même temps. Enfin, t'as aussi? Oui, la même chose, ouais. La même chose? C'est soit une, soit rien. Ah ouais? Bah ouais. Et si le mec, par exemple, t'es marié, ton mari, il veut prendre une autre deuxième femme et tu l'aimes beaucoup, comment tu vas réagir? Bah je le quitte. Tu le quittes? Bah même si t'as des en fait, enfants c'est avec. Soit moi, soit l'autre. Ça aussi soit. Ah ouais, pareil. Ah ouais? Vous donnez pas. Vous donnez aucun sens au mec pour marier une à autre. À la limite, il peut la quitter, mais enfin. Ah ouais? Ouais. T'as aussi? Ouais. Ah ouais, c'est chaud alors. Alors, bah, c'est ça la question. Merci beaucoup à vous, les filles. Bonne journée. Bonjour. Tu t'appelles comment? Victorine. Alors, moi, c'est Barry TV. Enchanté. La question d'aujourd'hui, c'est simple. Je veux juste savoir, t'es pour ou contre la polygamie? Contre. Pourquoi contre? Pourquoi je serais contre? Bah. Parce que je pense que. Je pense que bah non, on est dédié qu'à une seule personne. Et que. Après, chacun peut faire ses choix, mais. Non, je pense qu'on. Non. Toi, ça passe pas du tout. Pour moi, ça passe pas. Si t'es marié, il ne faut ça. Même pas qu'il y ait après, le mec y a qui des va gens essayer. Qui sont pour, mais personnellement, non. Et pour toi, non? Non, ça ne fait pas. Faut donner un peu d'essence au mec, à ton mari.
Ah oui, mais non. Mais tu sais, il y a des pays que tu sais, il y a des pays que c'est autorisé. Tu peux te marier, un mec qui peut se marier avec 4 femmes, 5 femmes, ça. Donc ça, c'est après, c'est leur problème. Hein, mais pour toi, si on vote ça en France, tu vas pas voter. Ah non. Si on dit de légaliser ça, pour toi, tu vas pas. Bah non. Enfin, si pour si les gens, s'il y a d'autres personnes qui veulent pour elles, oui. Oui. Donc il y a pas de problème, les gens peuvent le faire, mais pour moi, ça sera pas possible. Ok, bah c'était ça la question et merci beaucoup à toi, bonne journée. Merci. Bonjour. 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 Vous vous appelez comment ? Clémence. Mathilde. Marie-Lou. Alors moi c'est Barry TV. La question d'aujourd'hui c'est simple. Vous êtes pour ou contre la polygamie ? Contre. 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 Et pourquoi ? Bah pourquoi croire, pourquoi faire être, se marier à plusieurs... Et toi ? Bah pareil, c'est injuste. C'est pas fidèle. Ouais, pour moi, on doit être fidèle à une seule femme et pas... Enfin, c'est bizarre pour moi de se marier à plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Ah ouais ? Donc pour vous, ça passe pas du ah tout non, 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 non. Même si le mec, il vous dit s'il vous plaît. Ah non, ça passe pas, non. S'il vous plaît. Donnez un peu de sens au mec, il va essayer avec... Ah non, moi s'il me dit ça, je me casse. C'est quoi ? C'est la jalousie qui fait ça ou c'est quoi ? Non, mais c'est pas une jalousie, c'est une relation, c'est à deux, c'est pas à plusieurs. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça peut... tu sais, il y a des pays où ça existe encore. Ouais, bah. La polygamie. Mais on va voter ça en France encore, t'inquiète pas. Là, j'ai demandé à Macron, bientôt on va faire le vote. Comme vous ça, ça. Vous êtes pour vous ? Non, moi, en personne, je suis contre moi aussi. Ah, vous êtes contre aussi. Voilà, ouais. C'est ce qui est normal. Oui, ok, bah, c'était ça la question, les filles. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Camélia. Moi, c'est Barry TV. En santé, la question d'aujourd'hui, c'est simple. Je voulais juste savoir, vous êtes pour ou contre la polygamie ? Contre. Pourquoi contre ? C'est pas bien de faire ça. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que moi je suis une femme, j'aimerais pas qu'on fasse ça. Ah, tu aimerais pas ? Non. Les jalouses, c'est la jalousie qui fait ça ou ? Ouais, un petit peu. Donc si ton mec il veut se marier avec une autre femme, ça passe pas ? Ben non, moi je divorce. Tu divorces ? Même si tu l'aimes de ouf, tu l'aimes trop, tout ça. Ouais, je divorce. Tu vas divorcer direct ? Pas de sens ? Non. Faut lui donner un peu de sens, tu l'aimes ? T'essayes de lui parler. Si m'aimait, il ferait pas ça. Il irait pas voir une autre femme. Oui, il peut t'aimer, mais tu vois, si c'est autorisé la polygamie et qu'il a le droit de se marier, il peut t'aimer. Par exemple, il y a des pays, tu vois, en Afrique, pas seulement en Afrique, il y a plein de pays où le mec peut se marier avec 4 femmes, 5 femmes. C'est pas parce qu'il aime pas la 5e ou la 3e ou la 2e. Ouais, mais moi je veux pas. Toi tu veux pas? Non. Ah ouais, toi c'est chaud toi. Ok, bah c'est ça la question et merci beaucoup à toi. Bonne journée. Merci toi. Vous appelez comment? Chanel. Asia. Célia. Moi c'est Barry TV. Alors la question de Zoli c'est simple. Vous êtes pour ou contre la polygamie? Pour. Pour? Franchement, contre. Contre. Pourquoi contre? Parce qu'il ne faut avoir qu'une seule meuf. Et toi? Non, contre. Contre. Contre, pourquoi? Bah, non, pourquoi t'as changé d'avis toi? Parce que pourquoi j'ai... Ah oui, pour, j'ai dit. Vous avez dit quoi? Vous avez dit pour? Moi je suis contre. Ouais. Elle avait dit pour. Ouais, j'ai... Ouais, pour. Non, pour? Contre. Contre? Pourquoi tu vas aussi contre? Eh, parce que ça se fait pas. Ça se fait pas? Ouais. Non, on ne sait jamais. Faut respecter sa meuf. J'aimerais pas être à la place de la personne. Parce que moi, il y a un gars, il me fait ça, je le nique. Ah ouais? Ouais. Ça passe pas, c'est toi? Bah non. Toi aussi, ça passe pas? Ça passe pas, non. Donnez un peu de sens. Chez toi, ça passe. Non, moi, chez toi, si ta femme, elle est polygame, ta femme. Non, ça passe pas, jamais. Voilà. Si c'est moi, ok. Mais si c'est lui, non. Ah ouais, toi, ça fait passer, mais lui, ça. Ah, t'es chelou, toi, un peu. C'est que dans un sens. Ah non, ça doit aller dans tous les sens. C'est pas... Il faut penser à lui aussi. Toi, si t'es polygame, ta femme, elle peut être polygame. Ouais, mais moi, je suis pas polygame. Tu mens, là. Mais je suis pas polygame. Moi, je suis plutôt contre. La polygamie, moi, en personne. Ok. Ok, bah c'est ça la question les filles. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Abigail. Fanny. Alors moi c'est Barry TV. La question d'aujourd'hui c'est simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre la polygamie ? Ah oh ouais. Je sais pas, après être pour ou contre, moi personnellement j'aimerais pas, mais les gens ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie d'être polygame, moi personnellement ça me dérange pas. Si ton mec il veut se marier avec toi, pour moi non, ouais. Mais après si mon meilleur pote il veut être polygame... Et toi? Mais pour que ça soit légalisé en gros. Non, c'est si on dit tout de suite de légaliser que ton mari peut se marier avec 4 femmes ou 5 femmes. Non. T'es pour ou quoi? Personnellement non, mais ça dépend. Pareil des pays, de la culture, il y a des pays sur. Que ce soit légalisé, pourquoi pas. Oui, mais après, moi c'est j'accepte le choix de chacun, pas. Ah ouais? Parce qu'on est né comme ça, genre ici la polygamie ça existe
pas. Bah si, pourtant ça revient au même, parce qu'au final, c'est hypocrite, parce que les gens, les mecs, ils vont voir à droite, à gauche, ils ont des maîtresses et tout, ça revient au même. Ils disent pas, oui. Bah oui, mais ah, donc vous êtes tout du tout contre? Vous n'êtes pas du tout pour? Non, mais on peut légaliser, après chacun. On peut légaliser pour vous? Mais des hommes et des femmes, hein, pas que des hommes. Hein. Ça revient au même de se marier, ah ouais, ou d'avoir des maîtresses. Mais moi, je parle pour les hommes et les femmes seulement. C'est par exemple ton mari, tu es marié, ton mari il veut se marier avec une deuxième femme. Non. Ça passe pas pour toi? Toi aussi ça passe pas? Non. Ok, bah c'était ça la question, les filles. Merci beaucoup à vous, bonjour. 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 Vous vous appelez comment? Isabelle. Alors moi c'est Barry TV. La question d'aujourd'hui c'est simple. Vous êtes pour ou contre la polygamie? Contre. Pourquoi contre? Parce que pour moi on peut aimer qu'une seule personne et... Je ne cautionne pas le fait qu'on puisse avoir, être en couple avec plusieurs personnes à la fois. Pour moi, on doit être, la fidélité, c'est être avec une seule personne et regarder personne d'autre. D'accord, bon, donc pour toi, ça passe pas du tout pour que ton mec il soit avec des personnes. Il faut même pas qu'il va essayer. Non, il faut même pas qu'il regarde. Mec, arrête, il faut même pas essayer avec elle de faire la polygamie, hein, parce qu'elle, ça passe pas. Non. Il donne lui un peu de sens, c'est rien. Non, c'est mort. Ah ouais? Oui. Ok, bah c'est ça la question. Merci beaucoup à toi. Bonjour. Merci, au revoir. Bonjour. Vous vous appelez comment? Tania. Alors moi, c'est Barry TV. En santé. La question d'aujourd'hui, c'est simple. Vous êtes pour ou contre la polygamie? Je suis contre. Pourquoi? Parce que le principe, c'est la monogamie, que ce soit religieux ou même dans les mœurs. Oui. Donc moi, je suis contre. Quand on est avec quelqu'un, c'est pour la personne et pas pour être avec plusieurs personnes. Donc selon vous, il se passe pas ça, vous n'aimerez jamais vivre avec une autre femme à la maison, hein? Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Vous êtes jalouse ou c'est quoi? Bah non, mais quand je suis avec quelqu'un, c'est pour être qu'avec la personne et pas le partager avec n'importe quoi. Ouais, mais vous savez, il y a des pays où la polygamie est autorisée. Oui, je sais, mais... Et si vous partez là-bas, par exemple, et que vous voyez un mec, vous l'aimez bien, et qu'il est avec des femmes, ça va se passer quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible? Non, c'est pas possible. Et si tu le kiffes de ouf, toi aussi, tu peux pas vivre avec ça? Je pourrais pas aimer quelqu'un qui est avec déjà des femmes. Ah ouais? Non, c'est pas possible. Ça se passe pas, c'est toi, ça passe jamais. Ça passera pas. Et ça doit passer, normalement, c'est rien ça, tu vois. Ah non, ça passera pas. Ok, bah c'était ça la question. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Salut. Vous vous appelez comment? Estelle. Juliette. En santé, moi c'est Barry TV. Alors la question d'aujourd'hui c'est simple. Vous êtes pour ou contre la polygamie? Bah contre, wesh. Ah contre, Pourquoi? Bah ça c'est pas de tromper. Ouais, c'est mal, wesh, d'être avec plusieurs personnes en même temps. Mais c'est pas. Il trompe pas. Par exemple, il s'est marié avec toi et il dit qu'il veut une deuxième femme. Ça passe ou pas? Non. Deux ou trois, il s'est marié avec quatre, vous êtes quatre c'est à la maison. Et marche de tèche, moi. Ouais. Ah ouais. Y a c'est pas soit de moi ou personne. Soit toi ou personne. Ou les autres, mais pas moi. Pas de partage avec mon mari, tout ce que tu veux. C'est mort. Il faut partager. Non. Moi, je partage pas. Ah ouais. Ok, bah c'était ça la question, les filles. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée.